Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Donae. Vous le savez, l'émission féminine qui parle des femmes, qui leur donne la parole, mais où les hommes sont également les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, notre invitée, elle est originaire de Castaniche, universitaire confirmée, amoureuse de son île, mais également voyageuse invétérée, c'est Vanina Bernard-Léoni. Grâce à elle, nous découvrirons Parade, le village de son enfance, perché sur les hauteurs du Val d'Oretz. Et puis, comme nous en avons l'habitude dans cette émission, nous partirons en voyage au-delà de nos frontières à la rencontre de Samira, jeune indienne sur la voie de l'émancipation et étudiante à Delhi. Bonjour Vanina. Bonjour Francesca. Très heureuse de vous recevoir parmi nous. Moi aussi, évidemment. Alors vous le savez, Donae, c'est des rencontres avec des femmes de tous horizons. Et c'est notamment une rencontre entre notre invitée, vous en l'occurrence, et le public, sur un mode un petit peu personnel, un petit peu plus intime, pour apprendre à mieux vous connaître. Très bien. Pour ce faire, une petite biographie s'impose. Allons-y. Ça vous dit ? Allons-y, c'est Allez, parti. On y va, on regarde. Vanina Bernard-Léoni naît le 9 avril 1979 à Bastia. Elle vit dans une famille unie, entourée de ses deux parents André et Martine, tous deux fonctionnaires, et de sa sœur Brigitte. Après une scolarité à l'école des Fendini, puis au collège de Montésor, elle obtient son bac littéraire au Fang, puis part à Nice où elle fait une prépa hippocagne qui l'amènera à une licence d'histoire et à l'agrégation d'italien. Une langue qu'elle enseignera pendant un an avant de partir au Mexique pour une année sabbatique. Elle revient en France et reprend des études de sciences sociales tout en enseignant la langue de Dante. C'est là qu'elle commence à travailler sur le thème de l'insularité et se passionne pour une autre île, le Japon, où elle passera 3 mois. C'est dans ce pays que naîtra l'idée de la revue Four, magazine destiné à coupler la culture corse avec le reste du monde. C'est également au Japon qu'elle prend conscience que l'insularité n'est pas un frein au développement et qu'elle décide de rentrer en Corse pour y vivre et travailler. C'est ainsi que successivement, elle sera en 2010 directrice de la fondation de l'Université de Corse, puis en 2016, un mari et 2 enfants plus tard, elle deviendra directrice du Fab Lab de Corté. Tout un programme, Vanina. Hein oui, c'est amusant de voir ce petit raccourci de 39 ans. 39 ans de vie, hein, c'est ça. En 45 secondes, un petit peu plus, hein, pas mal, non? Oui, c'est limite un petit vertige personnel. On voit que vous avez beaucoup bourlingué, très jeune. Vos voyages, est-ce que vos voyages ont façonné la femme que vous êtes aujourd'hui? Vous avez voyagé, on a vu, en Italie, au Mexique, au Japon. Ça, c'est absolument certain. Mm-hmm. Je pense que du coup, je suis vraiment le fruit de tous ces moments de rencontres, en effet, avec d'autres cultures, donc d'autres personnes. Et aussi, enfin, dans le voyage, il y a ces moments un peu d'introspection où on s'interroge beaucoup sur soi-même, sur ce qu'est aussi sa culture. Et donc, ça, on l'a aperçu un peu dans la trajectoire. Ça a été fondateur pour moi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir de l'île? La curiosité, simplement, le goût du voyage ou parce que vous vous sentiez étouffé? Je pense qu'il y a un peu de tout, en fait. Moi, j'ai peu voyagé, en fait, étant enfant avec mes parents. On était très, très peu partis, je crois, une fois à l'île d'Elbe, peut-être une fois en Sardaigne. Et donc, évidemment, j'avais cette grande curiosité. Et puis, effectivement, quand on est une île, qu'on a quand même l'horizon voilà, à portée de regard en permanence, c'est vrai que c'est une tentation. On partait, en revanche, quand même tous les ans sur le continent dans la famille paternelle, je vais dire. Votre père est originaire de la Creuse, exactement, hein, c'est ça ? Exactement. Et ça me donnait envie. Envie, en fait, évidemment, de voir un peu au-delà de ces moments de retrouvailles familiales. Et c'est vrai qu'il y avait cette petite frustration que vous évoquez, hein, qui est aussi un déclencheur. C'est-à-dire que c'est parce que je ne voyageais pas que j'ai eu envie. Et peut-être que cette double culture, finalement, entre le continent français, on va dire, et puis la Corse, ça vous a donné aussi cette façon d'appréhender les choses, la vie différemment? Certainement aussi. Mmh. Je pense qu'on est toujours porteur d'un double regard, mmh, même quand les cultures ne sont pas, on va dire, très très différentes, ou en tout cas qu'elles ont beaucoup de perméabilité. C'est sûr que ça aussi, ça compte. C'était déjà une culture croisée. Alors, vous êtes parti au Japon, et puis et c'est là-bas que pour découvrir comment on faisait, on travaillait les châtaignes. Hein. Oui, en tout cas, voilà. Les châtaigniers du Japon, c'est ce que vous nous avez dit. C'est une façon de réécrire un peu, l'histoire, mais c'était plutôt pour un projet de thèse, donc sur un sujet, on va dire, un petit peu plus conceptuel. Néanmoins, c'est vrai que j'ai organisé ce déplacement à l'automne et que du coup, j'ai eu cette grande curiosité de constater qu'il y avait une culture très riche autour de la castaniculture, en effet. Alors,
Alors le Japon, c'est une autre île bien plus grande que la nôtre. C'est ça. C'est ça qui est particulier également. Est-ce que, et c'est là qu'est née la revue Four en 2007. Oui. Ça vous a donné envie de lancer cette revue sur le croisement interculturel. Oui. Est-ce que ça veut dire que être enraciné ici, c'est également, on doit également être tourné toujours vers les autres? Bon, en tout cas, on va dire que moi, c'était la synthèse que j'avais besoin de formuler, d'une part à titre personnel, et surtout que je sentais importante en termes collectifs, c'est-à-dire qu'il me semblait qu'on était nombreux, déjà à cette époque, et aujourd'hui ça s'est encore amplifié, à ne pas vouloir faire de choix entre attachement à notre île et ouverture au monde. Et c'est vrai que du coup, quand la revue est née, donc on était en 2007, donc voilà, ça a un peu germé avant, et on va dire que c'est des questions qui me travaillaient déjà depuis un moment, on avait trop tendance à caricaturer l'attachement à un lieu, et en l'occurrence l'attachement à la Corse. Il y avait, comme c'est encore le cas aujourd'hui, mais de façon peut-être encore plus vive à l'époque, on va dire un contexte un petit peu d'entachement, de xénophobie, ou de toute façon être attaché à ses origines et attaché à un lieu, c'est toujours quelque chose de suspect dans nos sociétés qui sont très tournées vers la mobilité. Alors moi, en l'occurrence, je me reconnaissais complètement dans l'envie du monde, dans l'envie de découverte, mais pour autant, il me semblait que voilà, j'avais pas non plus envie de renoncer à cet attachement. Vous êtes parti, mais ça ne vous a pas empêché de faire le choix de revenir un petit peu plus tard, et de vous installer, de travailler d'abord en tant que directrice de la Fondation de l'Université de Corse à Corte, puis aujourd'hui vous occupez, vous êtes directrice du Fab Lab. En deux mots, parce qu'on est un petit peu pressé, en deux mots, le Fab Lab, c'est quoi? Alors c'est un atelier en fait où on peut fabriquer tout un tas de choses, et vraiment l'objectif, c'est que les gens prennent conscience qu'ils peuvent cesser d'être uniquement du côté de la consommation, qu'ils peuvent produire. Quand je dis les gens, c'est aussi bien le grand public que les professionnels. Et produire en Corse. En Corse, exactement. D'accord. On a de nouveau la possibilité de produire. Alors, on parlait de voyage, de déplacement. Le premier voyage que l'on va faire, on va rester chez nous. Il va être intramuros, on va dire. On va aller dans le Val d'Oretz, dans votre village à Parade, pour découvrir un petit peu ce qui est, tout à fait ce qui est votre village d'enfance. On regarde tout de suite Parade. Parade, c'est vraiment le lieu auquel j'appartiens le plus. Je pense que, bien sûr, je me sens corse, etc. Mais Parade, c'est très particulier. Malheureusement, aujourd'hui, je ne viens pas aussi souvent que je le souhaiterais. Mais il y a quand même beaucoup de dates assez incontournables qui me donnent l'occasion de revenir, de profiter d'abord du lieu, parce que ça, c'est très fort pour moi. Et bien évidemment aussi de toute la famille du village. Voilà, monte un peu, encore un petit peu. Bon, là, voilà, ouais. Attends. Est-ce que je suis droit? Monte un peu sur la gauche. Voilà. Oh, salut. Ça va. Voilà, tu dis mon voisin. Ça y est, en train de poser l'enseigne. Dieu dit nous pour rendre hommage à maman et à son père. Ah, mais c'est un sacré challenge quand même. Ouais, hein. Ouais. C'est un peu un pari fou, mais voilà, on y croit. Ce village qui revive, c'est vrai que, Parade en particulier, on n'y aurait jamais cru, mais. Voilà. Ça fait quelque chose. Et pour une piocou studi, tout le monde dit adomamon, enfin, j'ai vraiment été garde. Allez, bilan, je dis maspé, t'as bon travail, après je te vois. Ciao. Au mois de novembre, quand je montais même toute petite et jusqu'au collège, je ramassais un peu les châtaignes ou après on les vendait au moulin. Moi, j'ai des souvenirs un peu forts comme ça, avec mon petit panier, de remplir les sacs de jute. Et donc, c'est vraiment des choses en continu depuis quasiment 39 ans maintenant. Je pense que tout est un peu lié à Parade. C'est tout bien d'où, Bane, hein? Eh bien, vos vieux, là, allez. Ah, tu dis, va peiner café. Ah, bon, à thé, à papa. Tenez sur vous, allez. Bon, du coup, tu peux les prendre quand, les petites? Eh bien, je te dis, à partir du 20 juin, hein, 20-23 juin, par là. Bon, donc, super. Je prendrai Rock aussi. Et comme bon, ça, tu me descends, Fiamme et Touch, voilà. Ça n'agampe pas, super. Voilà. Eh bien, comme est tout, quand est tout, j'irai maman. Hein.
C'est vraiment le sentiment que le cycle se poursuit, qu'on est un maillon de quelque chose. En fait, c'est à la fois un sentiment de petitesse, un sentiment d'être le bout, un petit bout de quelque chose, et en même temps, une telle plénitude. Liberamente appena felicità. Liberamente appena felicità, hein? Ça, c'est le bonheur total, le village. C'est ça pour vous, le village? Oui, parce qu'en plus, c'est des moments de grande sérénité en général. C'est des moments où on est en pause et où on se concentre sur des choses un peu fondamentales. Alors, vos parents sont très présents encore aujourd'hui. Vous le disiez dans le reportage, notamment, ils jouent leur rôle de grands-parents à l'os aux gours, comme on dit. Ils sont là, oui, pour les petits-enfants. Hein. C'est ça, ils sont beaucoup plus présents aujourd'hui qu'ils ne l'ont été. Il y a toute une période, justement, les années de voyage, etc., où j'étais pas spécialement famille. Et c'est vrai que désormais, c'est une sorte de, voilà, juste retour de la nature, d'une certaine façon. Alors, il y a des événements au village que vous ne loupez jamais. Lesquels, par exemple? Ah, il y a des rituels. C'est vrai qu'on a des fêtes patronales qui donnent l'occasion, en fait, de réunir un peu tous les cousins éloignés, cugineidertes, etc. Donc, du coup, c'est vrai qu'entre le 10 août, qui est la Saint-Laurent, qui est en plus plein mois d'août, donc c'est hyper la grosse affluence. La Saint-Laurent, pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est le 10 août. Hein. Tout le monde peut y aller. Oui, c'est public. C'est vrai qu'on est content d'être aussi un peu entre soi, faut le préciser. Et après, il y a le 24 août qui, là, est un peu plus large, puisque c'est à l'échelle de plusieurs cantons. C'est sur la ligne de crête, du coup, à Saint-Berth. Et là, du coup, c'est une réunion à une autre échelle. Et c'est aussi très, très fort pour moi. Ça reste un rendez-vous incontournable, oui. Alors, vous parliez dans le reportage de des châtaignes, encore les châtaignes, et puis vous vendiez les châtaignes. C'est l'un de vos souvenirs. Si on devait vous demander quel est votre meilleur souvenir au village, ce serait quoi? C'est pas impossible que ce soit ça, parce qu'en effet, je crois que ce que j'ai aimé dans ce moment particulier, c'est de voir qu'il y avait une activité au village qui avait un sens économiquement pour d'autres personnes. Parce que sinon, moi, mes souvenirs les plus fréquents au village, c'est essentiellement de la contemplation. C'est-à-dire aller me promener seule à la rivière, aller lire, regarder liberté. Les fleurs. Voilà. Mais beaucoup aussi en mode assez solitaire, parce que comme on l'a vu, c'était quand même un village assez petit, assez touché par la désertification. Et donc, même en été, on n'était pas systématiquement tout le temps très nombreux. Donc moi, j'ai surtout des souvenirs de contemplation. Néanmoins, les moments les plus importants, c'est quand il y avait un collectif de la vie et même de la vie économique. Et c'est pour ça que j'étais contente de mettre un petit peu l'accent aussi sur l'installation d'une activité économique, une petite cousine qui s'installe avec sa biscuiterie, c'est quelque chose. Alors là, ce qui est rigolo, on voit Aurélie, qui est votre cousine, elle installe. C'est une femme qui va refaire revivre le village, l'un des villages de l'intérieur. Elle a le courage de s'installer en tant que pâtissière. On peut vraiment parler de courage, parce que ça fait donc plus de 50 ans qu'il n'y a pas d'activité économique. Parce que pour descendre à Follet, il faut quand même une bonne demi-heure de virage. Hein. Ouais. C'est pas donné à tout le monde. Il y a quelque chose qui est très important aussi dans la construction de votre personnage, enfin dans votre construction, dans votre évolution, c'est le village et votre grand-père au village. Malheureusement, on n'a pas sa photo, mais Babo était très important. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Prima, madadua lingua. Perché, quindi c'è da sei importante, un mois bon, on parlait amico francese. Alors, il était né en 1902, donc moi déjà, je l'ai connu, c'était déjà un monsieur d'un autre âge, d'une autre époque, et avec effectivement un système de valeurs, de mode de vie très différent. Et en fait, il m'a donné une sorte de nostalgie d'une époque que je n'ai jamais vécue, mais peut-être même que mes parents n'ont pas vécu, mais où on sentait une sorte d'harmonie, effectivement, avec un lieu de vie, une activité, une sorte de liberté. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'on enjolive, qu'on rend encore certainement plus beau. Néanmoins, c'est vrai qu'il y avait, on va dire, une spontanéité dans les relations humaines, pareil dans ce lien à l'environnement, etc., qu'il a transmis, notamment à travers la langue. Et en fait, ils sont descendus s'installer à Bastia. Et ils ont quitté Parade au moment où je suis née, quasiment. Mmh. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup contribué, on va dire, à ma petite enfance. Il s'est beaucoup occupé de vous. Hein. Ça, oui. C'est vraiment un très, très bon souvenir. Oui. Ça vous a façonné. Alors, vous savez que dans cette émission, eh bien, on part en voyage. On a fait une petite incursion ici en Castanic. Eh bien, maintenant, on va pousser les frontières de l'île. On va partir en Inde. En Inde, où nous allons découvrir une jeune étudiante indienne, Samira, qui est, je vous le disais, sur la voie de l'émancipation. On se retrouve juste après ce reportage. De passage à Delhi, je visitais l'université Nehru. Un professeur me présenta à sa classe. Parmi ses étudiantes, je fus aussitôt charmé par Samira,
par son caractère enjoué et passionné, mais surtout par la fraîcheur de son éveil au féminisme. L'amour. Hein, pour moi, l'amour est plutôt bêtise. Mais c'est nécessaire pour la vie. Oui, c'est nécessaire pour vivre. S'il n'y a pas l'amour, vous vivrez comme une machine. J'aime la littérature française. Pour moi, cette langue est comme une musique. La musique, le rythme. Et il y a, la langue est plus beaucoup douce que les autres langues. C'est selon moi. Et à cause de cela, j'ai choisi le français. La littérature est le miroir de la langue. La littérature est là parce que toute la culture, la sociale, la société, se reflète sur la littérature, non? Et à cause de cela, il faut apprendre la littérature. Il faut lire la littérature. J'aime le 19e siècle. Émile Zola, André Gide, la symphonie pastorale, et aussi Alfred Jarry, Rimbaud. Encore de nos jours, les femmes de l'Inde n'ont pas le droit de vivre seules. Pour vivre dans la société, nous avons besoin de se marier. Mais je suis orgueilleuse pour être femme, parce que la femme peut penser. C'est pas moi. Mais c'est pas fini. C'est moi. Alors, Samira, elle est sur la voie de l'émancipation. Alors, elle a choisi le français. Pour elle, c'est une musique. Est-ce que ça vous parle? Oui, bah, limite, je me reconnaîtrais un peu dans cette jeune fille, un peu au même âge, sur le côté, effectivement, un peu espièglerie, intérêt pour, voilà, moi aussi, je pense qu'à son âge, je ne jurais que par la littérature, et, la poésie aussi. Et c'est vrai qu'enfin, moi, j'en ai eu besoin, en tout cas, pour me construire. À titre personnel, un petit peu plus largement, y compris politiquement, comme elle évoque aussi, bien sûr, bah, l'émancipation des femmes. On n'est pas partout au même point, et c'est vrai que, on va dire, comme dénominateur commun, la question de l'accès à l'éducation. Après, il y a aussi la question, on va dire, de l'accès à la contraception. Mm-hmm. Alors, elle parle de l'amour. Alors, avec, elle parle de l'amour, justement, avec sa passion pour les auteurs du 19e siècle, notamment André Gide, la symphonie pastorale. Alors, juste pour vous, téléspectateurs, vous, Vanina, juste un petit extrait de cette symphonie pastorale. Quand vous m'avez donné la vue, mes yeux se sont ouverts sur un monde plus beau. Oui, vraiment, je n'imaginais pas le jour si clair, l'air si brillant, le ciel si vaste. On est vraiment dans l'amour, on parle d'amour. Cet amour n'est pas si facile à vivre pour ces Indiennes, pour les femmes en Inde. C'est même, elles ont le poids de cette tradition, des castes, des mariages forcés, des jeunes filles qui sont mariées avant l'âge de 18 ans, parfois même à 10 ans.
Oui, on sait, voilà, il y a énormément de combats encore pour le droit des femmes partout dans le monde, avec des situations qui sont particulièrement, on va dire, anxiogènes et contre lesquelles, évidemment, on aurait envie de se révolter davantage. Après, moi, surtout, ce que ça m'inspire, c'est qu'il faut aussi qu'on soit absolument sur des logiques de vigilance sur nos propres pratiques. Et c'est vrai qu'il y a encore tout un tas de points sur lesquels il faut qu'on reste très... Alors, même si le gouvernement, dans l'article 14 de la Constitution indienne, prône l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a beaucoup de travail à faire. On le disait, il y a cette éducation, le poids des castes et le poids de la culture qui jouent beaucoup dans le développement, dans une éventuelle avancée pour les femmes. Aujourd'hui, quand même, le ministre des Affaires étrangères est une femme, en Inde. Oui, il y a des avancées symboliques, il y a des réglementations qui vont dans le bon sens. C'est vrai que malheureusement, on continue à voir fleurir, on va dire, des tas de faits divers qui sont malheureusement pas si marginaux que ça, et que ça reste quelque chose qui peut effrayer. Et c'est vrai que moi, quand par exemple j'étais enceinte et que du coup j'ai deux filles, c'est vrai qu'on s'interroge aussi sur ce que ça va être le devenir femme plus tard. Est-ce que du coup on aura toujours ces mêmes libertés? On a senti en Europe des crispations, notamment sur la partie droit à l'avortement, contraception. Enfin, ça reste des combats sur lesquels il faut être, à mon avis, très vigilant, toujours très, très ici vigilant. Aussi. Vous avez deux filles, vous ouais. le disiez. Elles sont toutes petites maintenant. Oui, ça fait vraiment, c'est quelque chose qui fait vraiment écho pour vous, ça, ce fait d'avoir d'évoluer un petit peu dans un monde féminin autour de vous. Oui, parce que du coup, forcément, on a grandi en tant que fille, en tant que femme. On a nous-mêmes pu, ressentir des petites injustices ou, en tout cas, se sentir solidaire d'injustices liées, justement, aux stéréotypes anti-féminins ailleurs dans le monde. Et c'est vrai que du coup, forcément, on projette aussi ces interrogations sur nos filles en général. Et c'est vrai, du coup, que c'est une interrogation particulière. Mais j'insiste, en Europe aussi, je pense qu'il y a vraiment, il ne faut pas baisser la garde. Non, il ne faut pas baisser la garde. Vous avez eu en tout cas la chance d'avoir deux hommes autour de vous, votre père et votre grand-père, qui vous ont façonné, qui vous ont aidé à grandir. Après, on est quand même vachement une famille de femmes. On n'est que des cousines germaines et c'est vrai que ça aussi, du coup, c'est une certaine, ça guide aussi des choses. Vous avez la choses. Poigne quand même. Je me souviens que dans le reportage, lorsqu'on était à Parade, votre père André n'a pas bronché. Ça l'amusera, je pense, de voir que ça se sent. Alors, il y a également un rendez-vous incontournable dans cette émission, c'est le rendez-vous avec une femme qui vous a inspiré, que vous admirez, et vous avez choisi Frida Kahlo. Pourquoi ? Déjà, c'est mes années Mexique. Je pense que j'aimais déjà bien Frida Kahlo avant de partir au Mexique. Néanmoins, j'ai davantage connu son œuvre quand j'y étais. Et alors là, elle incarne, je trouve, beaucoup de choses que j'aime chez les femmes, chez les artistes et chez les êtres humains en général, puisqu'elle a été tout ça. C'est vraiment un concentré, je pense, de courage, d'audace. Et elle mélange, la pratique artistique. De courage, il faut le dire, pour les téléspectateurs qui ne la connaissent pas peut-être un peu. Elle a eu la polio à 6 ans. Elle a eu un accident évidemment. Circulation à 18 ans, elle est restée courée sur un lit avec la colonne vertébrale brisée. Et toute son œuvre découle également de cette souffrance. Il y a beaucoup de la douleur qui est décrite dans son œuvre. Oui, mais avec une dimension de joie, de rédemption, où elle assume justement tous les aspects intimes, y compris les plus tragiques, etc. Le fait qu'elle n'ait pas pu avoir d'enfant et qu'en même temps, elle en a fait un univers de création. Elle mélange en permanence les arts populaires mexicains et l'avant-garde artistique la plus contemporaine de son époque. Elle vit vraiment la pratique artistique comme une pratique politique dure, parce que du coup, elle a été... Elle a fait de la politique d'ailleurs. Elle était communiste avec son mari. Après, elle a quitté justement le parti communiste mexicain au moment où elle avait le sentiment que ça se stalinait trop. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un engagement très fort. Bon, on est... Enfin, c'est une fille de la Révolution mexicaine. Elle disait d'ailleurs qu'elle était née l'année de la Révolution mexicaine, ce qui n'était pas apparemment tout à fait le cas, vraiment du point de vue biographique. Mais ce que j'aime, c'est ça, c'est ce mélange d'engagement politique au sens le plus large, avec une pratique artistique très libre, qui est très atypique et qui effectivement va très loin sur le côté féminin, au sens de l'intimité du féminin. Et elle a été vraiment une précurseur incroyable. Elle a son actif 55 portraits.
près 143 tableaux, hein, donc c'est pas rien. Elle s'est beaucoup peinte, évidemment, puisqu'elle a été bloquée pendant un certain nombre de temps. Des introspections, évidemment, d'elle, ouais. Déjà, mais à travers elle, de beaucoup de questionnements de femmes, je trouve. On lui doit quelques très beaux tableaux, comme La colonne brisée, ou quelques petites piqûres encore. Bon, la liste n'est pas exhaustive, bien entendu. Oui, en puis c'est cas, une amoureuse aussi incroyable, et ça aussi, c'est une liberté de mœurs à l'époque. Évidemment, bon, sa grande histoire d'amour avec Diego Rivera, mais plein d'autres, et parfois des amours saphiques. Il était très libre, hein. Très libre. Et donc voilà, moi, cette liberté, cet engagement, je trouve que c'est voilà, un vrai exemple. Eh bien, cette émission est bientôt finie. Vanina, ça va très vite. Oui, juste encore un petit mot sur le Fab Lab et ce que vous offrez pour les téléspectateurs qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on peut faire au Fab Lab? Il est ouvert à tous. Il est ouvert à tous, en effet. Et sans être complètement Frida Kahlo, l'idée, c'est en tout cas de se dire que tout le monde peut et doit avoir une pratique de création, qu'elle soit artistique ou autre. Je pense que c'est un des secrets d'épanouissement d'une société, produire, créer, faire des choses, les imaginer et ensuite passer à l'acte, toucher des matériaux, les transformer. Ici chez nous. Exactement. Hein, chez soi. Et de toujours faire ce lien entre le patrimoine et du coup la création à venir. Merci Vanina Bernard-Léon. Et on suivra le Fab Lab, on suivra de nouvelles aventures à Corté, évidemment. Merci volontiers, d'être resté avec nous. Et on vous y attend. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Il y en aura d'autres, vous allez voir. Moi, je vous dis, bien entendu, à très bientôt pour de nouvelles aventures féminines d'ici et d'ailleurs. Ciao. Thank you.